Bonjour, juste un essai du nettoyage avec l'appareil à ultrasons que j'ai enfin pu avoir à Lidl. J'ai mis GR, GP et puis d'aiguille. Pour le moment, je mets juste de l'eau. Mais il y a d'autres produits qu'on peut mettre, bien plus efficaces. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça marche encore. Je le branche. Là, il est sur 180 secondes. 90 secondes. Je ferme. Je fais on. Ça vibre. Ça mousse un peu autour des... Mon gicleur de ralenti était bouché, ça c'est sûr. Bon, là j'éteins. Voilà, ça vient de finir, j'ouvre. Ils disent que l'eau elle chauffe un peu. Bouf. Bon, de toute façon, il va falloir sécher tout ça. Sécher, je vais souffler surtout. Et ce que je vais faire, je vais essayer le fond de cuve, qui est pas mal pour hack. Hein. Pas que ça dé... ça va être trop... Faudrait que j'enlève... Pas grave. Faudrait que j'enlève la vidange qui est en dessous. Là. Ben, c'est bon. Ferme, branche, 180, et ben on va laisser ça. Voilà, ça vient de finir. Bon, l'eau est un peu plus crade, ça va, c'est pas chaud. Ah oui, même beaucoup plus crade. Ah ouais. Ouais, pas mal. Ça me plaît bien, tiens. Bon, dans tous les cas, je finis quand même mon gicleur de ralenti avec le petit brin de câble. On sait jamais. Pas envie de redémonter. Vous voyez le petit brin de câble passe à travers. Voilà, et bien pas mal la machine à ultrasons, un peu petit. Il faudrait peut-être le faire en plusieurs fois si on veut faire le carbu. Mais ça rend bien.